Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24. Nous sommes au dernier jour de la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMSI. Une foire qui a été pensée pour valoriser les produits locaux. Cette deuxième édition a le mérite de se tenir au parc des expositions d'Abidjan. Sur le plateau spécial de Business 24, nous recevons M. Aimé Kablan-Croizan, commissaire général de la foire, par ailleurs directeur général du commerce intérieur de Côte d'Ivoire. Bienvenue M. Croizan sur notre plateau. Merci Pierre. Au dernier jour donc de cette manifestation grandiose, nous vous recevons sur notre plateau justement pour faire le tour de tout ce qui s'est passé. Monsieur Croizan, ce soir, quel est le point d'ailleurs qu'on peut faire des activités qu'on a eues ici au niveau du parc des expositions d'Abidjan? Je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes totalement satisfaits du déroulé de cette foire du Made in Côte d'Ivoire 2023. Nous avons eu, comme vous l'avez pu le constater, la cérémonie d'ouverture qui a mobilisé plus de 4000 participants. C'est que majestueuse, et encore je pèse mes mots, cérémonie d'ouverture. Et nous avons également pu assister à une mobilisation, forte mobilisation des exposants. Nous sommes passés en 2018 de 33 exposants à aujourd'hui plus de 150 exposants. Donc imaginez le bond en avant que nous avons réalisé en termes donc d'exposants. Nous avons également une forte mobilisation, une forte affluence des visiteurs. C'est pour dire tout l'intérêt que suscite la foire du Made in Côte d'Ivoire. Nous avons également pris le pari d'ouvrir un village culinaire. Le village culinaire est disponible et il est également bien animé à l'ivoirienne. Et on se comprend. Belle ambiance musicale, de bons mets, vraiment c'est une belle ambiance. Nous avons également pris le pari de mettre à disposition des enfants un parc de loisirs. Ce parc de loisirs, il est là, il est fonctionnel. Je pense que les enfants ont pris beaucoup de plaisir à participer aux différentes activités ludiques qui s'y déroulaient. Voilà. Donc, on a prévu un défilé de mode. Vous avez vu, présidé par Madame la ministre de la Culture, qui a eu lieu hier. Et vraiment, ce défilé a été de très belle qualité. Et nous avons vu que nos créateurs locaux ont du talent. Voilà, nous avons apprécié les belles œuvres pendant ce défilé. Voilà. Donc, au-delà donc, de toutes ces activités, ce que nous pouvons retenir, notre ambition, c'était d'offrir à la Côte d'Ivoire une foire à la hauteur du parc des expositions, la belle œuvre que nous a offert donc, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous pensons en toute objectivité, toute modestie, mise à part, que nous avons réussi le pari d'offrir cette belle foire aux Ivoiriens. Aimé Kablan-Croizan, ce soir, l'heure est au bilan. Quel bilan pouvez-vous nous faire aux téléspectateurs de Business 24 sur la manifestation, sur la foire 2023, la foire du Made in Côte d'Ivoire? Vous savez, quand j'ai été désigné commissaire général par le ministre, le docteur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, c'était donc avec une feuille de route très claire. Il fallait que nous puissions donc, dans le cadre de la foire du Made in Côte d'Ivoire, faire ressortir l'ensemble des secteurs d'activité qui composent la vie économique de la Côte d'Ivoire. Et c'était ça. Il fallait montrer tout le potentiel économique de la Côte d'Ivoire à travers donc, son pilier, l'un des piliers du PND, qui est donc la transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Aujourd'hui, nous avons donc réussi à réunir autour donc, de cette foire, mobiliser autour de cette foire, la diversité des secteurs d'activité dans notre pays. Nous avons donc avec nous l'industrie agroalimentaire. Nous avons avec nous l'industrie du textile. Nous avons avec nous les matériaux de construction, les services en matière de promotion immobilière. Nous avons avec nous l'industrie de la plastiologie. Nous avons avec nous les matériaux en infrastructure. Nous avons également avec nous, et vous avez pu le constater, l'artisanat. Nous avons le monde culturel qui nous accompagne avec
les livres d'édition locale. Nous avons également tout ce qui a trait à la maroquinerie. Vraiment, je dis, je ne vois pas lequel des secteurs d'activité dans lequel la Côte d'Ivoire excelle qui n'est pas présent à cette foire du Made in Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était le premier pari, faire en sorte que l'ensemble donc, de notre tissu économique soit présent. Je pense que nous avons également l'assemblage automobile. Vous avez vu les véhicules Made in Côte d'Ivoire qui sont donc exposés donc à cette foire. Donc vraiment, comme je l'ai dit, nous avons réussi à mobiliser les acteurs économiques autour de cette foire. Deuxième satisfaction, comme je le rappelle, souvent, c'est cette mobilisation même des visiteurs. Vous voyez, depuis le début de cette foire, elle ne désemplit pas. Et c'est vraiment une grosse satisfaction de voir que nous avons réussi à faire en sorte que les Ivoiriens adhèrent à cette foire et que le consommer local est une réalité qui rythme notre quotidien. Et les Ivoiriens avaient hâte de découvrir je dirais, tout le potentiel que nos jeunes entrepreneurs, que notre industrie porte donc, pour notre souveraineté en produits de grande consommation. Monsieur le directeur général, tout ceci est tellement impressionnant. L'équipe de Business 24 également a vécu l'événement et peut témoigner de l'ambiance dont vous parlez. Mais tout cela ne peut pas se faire, monsieur le directeur général, sans difficulté. Quelle a été la difficulté ou bien quelles sont les difficultés auxquelles vous, en tant que commissaire général, vous avez fait face pour l'organisation de cette foire 2023? Non, mais bien évidemment, nous avons fait face à beaucoup de défis. Mais vous voyez, c'est ça aussi, pouvoir être en capacité de relever des défis. Le premier défi, c'était déjà l'organisation de la foire Made in Côte d'Ivoire en 2023. Parce que nous avons été désignés commissaire général en début d'année, en février 2023. Et il fallait organiser cet événement cette année. C'était vraiment c'est ma feuille de route qu'on m'avait donc donnée. Mais n'oublions surtout pas que mobiliser les entreprises demande beaucoup d'intérêt de leur part. Mais surtout, le défi, c'était que généralement, les budgets des entreprises en termes de d'investissement, de planification, sont mis en œuvre en année N-1. Donc, vous ne pouvez pas venir en année N solliciter une participation efficiente des entreprises quand vous ne les avez pas sollicitées en année N-1. Mais nous avons réussi, je dirais, à mobiliser, malgré cette contrainte, nous avons réussi à mobiliser plus de 150 exposants à cette foire. Ça, c'était le premier défi qu'on devait relever. Le deuxième défi, bien entendu, et ça allait de soi, c'était de faire en sorte que nous puissions avoir l'adhésion des populations au consommer ivoirien, parce que au consommer local. Parce que de un, il s'agit non seulement d'amener les gens à adhérer à l'idée qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut non seulement produire ce que nous consommons, mais consommer également ce que nous produisons. Donc bien évidemment, je pense que ce slogan est actuel dans le contexte économique dans lequel nous vivons, face bien entendu aux difficultés d'approvisionnement des produits importés et à la non-fiabilité des produits par rapport non seulement à la disponibilité au prix. Donc évidemment, je pense que cet intérêt a été aujourd'hui manifesté avec la forte mobilisation des populations. Donc voilà un peu, j'ai envie de dire, les différents défis que nous avons relevés, bien entendu. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que l'ensemble des visiteurs, l'ensemble des participants à cette foire sont également ravis et heureux de ce moment. On vous sent vraiment très heureux lorsque vous exprimez avec beaucoup d'émotion de cet événement que vous avez piloté, chapeauté, du moins avec l'appui du ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba. Monsieur le directeur général, peut-être pour terminer, aujourd'hui c'est la fin pratiquement de la foire du Made in Côte d'Ivoire 2023. Les lampions vont s'éteindre dans quelques instants, dans quelques minutes. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, on se tourne vers la prochaine édition. Ce sont les perspectives. Qu'est-ce que vous pensez de ces perspectives-là? Comment voyez-vous la perspective de la foire Made in Côte d'Ivoire? On est optimiste. On est hyper optimiste.
Vous savez, il y a eu l'année 2018, vous voyez, la première fois du Made in Côte d'Ivoire. Pour nous, c'était une année expérimentale. Ensuite, nous avons passé 5 ans liés, donc, comme vous le savez, aux contingences, notamment la Covid-19, la crise russo-ukrainienne. Donc tous ces événements ont perturbé un peu l'organisation de la FOMSI. Nous avons donc, contre vent et marée, tenu à mener la FOMSI à bon port. Et parce qu'il y a un autre défi de taille que j'ai omis. C'était le défi de faire la FOMSI le lendemain du Sahara et le lendemain du MIVA, qui sont deux événements de notoriété internationale et qui, je dirais, de par leur cette notoriété, étaient à même de siphonner la FOMSI. Oui. Ça, c'était un des plus gros défis que nous avions mener à bon port donc la FOMSI. Donc, malgré ces obstacles, nous l'avons fait. Et comme je le dis tantôt, 2018 était une année donc expérimentale. Aujourd'hui, je considère que nous sommes arrivés la FOMSI 2023 est une édition de confirmation. Et pour nous, 2024 va être l'année de la consécration. Ça va être l'année de la maturité. Et nous sommes convaincus, au vu, je dirais, de l'engouement porté même par les exposants qui nous demandent d'enchaîner 2024 immédiatement. Parce que pour eux, il n'est pas question de laisser le soufflet retomber. Il nous faut absolument, je dirais, maintenir le cap avec l'édition 2024 de la FOMSI. Donc nous allons donc, lors des restitutions au ministre, le docteur Souleymane Derasouba, du Commerce et Industrie, lui rendre compte donc de cette forte demande des exposants et des visiteurs qui est de reconduire l'édition FOMSI pour 2024. Et puis bien entendu, par la suite, l'idée, c'est quand même de faire de la FOMSI une biennale en alternance avec le Sahara et le MIVA. Donc, nous espérons que nos recommandations vont être prises en compte par nos autorités de tutelle pour permettre efficacement à ce que la FOMSI puisse connaître une édition 2024. Aimé Kablan-Kwazan, on espère que la télévision Business 24 vous accompagnera dans cette aventure 2024 de la FOMSI et qu'on sera toujours partenaire. Okay. Vraiment, avant de terminer, je voudrais vraiment remercier sincèrement la société qui nous accompagnait, le producteur exécutif qui est As Marketing, qui nous accompagnait dans cet événement. Et puis, exprimer encore une fois toute ma gratitude au docteur Souleymane Derasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, de nous avoir fait confiance, de nous avoir renouvelé sa confiance. Et je pense qu'au vu des résultats, nous ne l'avons pas déçu. Voilà, nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'équipe qui m'a encadré, avec le comité de pilotage interministériel qui a été mis en place pour conduire la FOMSI 2023, nous pensons que nous avons réalisé un excellent travail. Et je voudrais également remercier l'ensemble donc, de cette équipe pour leur détermination et surtout pour leur disponibilité. Merci beaucoup, monsieur le commissaire général de la foire du Made in Côte d'Ivoire FOMSI 2023, Aimé Kablan-Kwazan. Merci de nous avoir rejoints sur notre plateau spécial et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à toute l'équipe technique déployée ici au Parc des Expositions d'Abidjan, Lignon Gilbert, Seth Ekissi et Michel Bailly qui nous ont accompagnés. Merci et au revoir, à très bientôt.